Ken Anderson est dans le plein et Allen se touche pratiquement. Et on... 2, 1, je crois qu'elle avait fait de l'avance de départ. Je serai confirmé. Alors qu'on a un carreau là, dans le virage qui assiste aux courses. Les matelots, là, sûrement, qui regardent le départ de cette... Lancido 350, Kent Anderson est en avant, Rémi Leblanc semble avoir discuté de la ralentie avec le 799, ouais. Alors que Bobby King est troisième. Mais c'est le Team Tauban, l'ancien Steeler, qui est en tête avec Kent Anderson est là, Leblanc est monté dans la queue. Heureusement resté sur ses pontons. Oui, le Black semble avoir été déporté dans le virage 2. Dans le virage 1, avait mordu. Il aurait pu facilement virer à l'envers. Il est monté très haut dans les airs. Donc, trop agressif là, du côté du Zoomerang. Et là, pendant ce temps, Anderson est loin en tête d'avoir Rémi Leblanc. Alors que Bobby King dans le Team 8 Cancer 66 est 3e. Dans les Allens, ça fonctionne pas bien. Là. On se concentre de 4e place. C'est pas la meilleure saison là, pour le Legacy One. Non, depuis son envolée avec les fils, la coque a été lourdement endommagée. On a un peu plus de difficulté pour Bobby King. C'est un avant-goût. On sait que l'an prochain, on l'attendait cette année. Il semble que ce sera l'an prochain là, avec une nouvelle embarcation. Et on voit Michel Raymond qui se contente de la 5e place, mais Sam Leblanc semble rétrécir un peu l'écart face à Kent Anderson. Leblanc qui est un point en avant de Jimmy King au classement. Oh, Leblanc se mène dans le RenaultMelan.com. Je crois qu'il ne se contentera pas de la 2e, mais les deux trousses du Team Tauban. Rémi Leblanc. Et pour la 3e, Donnie Allen tente de doubler Bobby King, mais toutes sortes de difficultés dans le virage pour le Legacy One. Ouais, trop agressif. Oh, le 2 va tirer.